Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur Planet Zoo. Donc la dernière fois, si je me rappelle bien, on avait avancé un peu la pyramide, on avait fait un peu, je sais plus si j'avais parlé de cet enclos là. Je l'ai peut-être fait hors vidéo, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné. Donc en fait j'ai fait un enclos là pour des crocodiles marins qui donnent dans la pyramide. Ah, dans la pyramide aussi j'ai fait mon trajet de blabla, mon trajet à l'intérieur, donc mes chemins. Donc du coup ça va faire le tour par-dessous là. Après il faudra que je ferme évidemment avec des pierres comme ça un peu de partout. D'ailleurs là je sais même pas comment je vais faire, on verra. J'avais pas pensé à ça, ouais. Bon, c'est pas grave, on verra, je mettrai un mur. Enfin bref, j'ai designé le chemin. Il me restera à du coup faire tous les murs à l'intérieur, mais ça je le ferai hors vidéo parce que ça va être très long et très chiant. Voilà, tiens, j'ai des alertes là, qu'est-ce qui se passe? Bien être faible. Castor, bien être faible, comment ça se fait? Terrain. Il y a trop de roches. Oh, c'est juste ça. Optimisation. Il en manque un peu. Social. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe dans le social? Ni. Ok. C'était un bug. Fantastique. Habitat n'a pas de soigneur assigné. Oui, parce que j'ai pas encore fait la zone. Voilà, c'est ça que je voulais faire aujourd'hui. Et que j'allais vous dire du coup. Alors là, je vais juste récupérer ça. Voilà, comme ça on n'en parle plus. Pouf, pouf, pouf. On ferme tout ça. Allez, ferme-moi tout ça. Voilà. Donc, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était. Ici, on aura un enclos des crocodiles marins. Et du coup, ici, je vais faire une zone avec des bâtiments. Ici, des employés. Et un petit village. Un petit village. Avec du coup des boutiques, etc. quoi. Donc j'ai fait une première entrée ici qui passe par là. Hop, on fera les chemins après. Hein. Là j'ai mis une petite boutique comme ça. Ici, ce sera un bâtiment où il faut que je mette des chemins à l'intérieur où les gens pourront venir voir de l'intérieur les crocodiles. Donc là sûrement un escalier qui va monter et venir à cette hauteur là. Ici. Paf. Pareil là et là-bas aussi. Voilà. Donc tout ça c'est des bâtiments que j'ai récupérés tels quels sur le workshop. Je me suis pas embêté. D'ailleurs celui-ci, effectivement, les trucs qui touchent pas le sol là. Voilà, quelque chose comme ça a l'air d'être un peu mieux là. Voilà. Celui-là, ça m'a l'air d'être pas mal. Voilà, donc on va essayer de designer ce petit village aujourd'hui. Alors. La première chose que je vais faire, je pense, c'est le village là-bas des soigneurs. Parce que c'est le truc le plus important. Ça, c'est juste une déco. C'est juste une grosse maison déco que je mettrai par là, sûrement. Donc, il faut imaginer que là, après, on pourrait avoir une zone qui part au-dessus, là. Donc, peut-être que mon village, il faudrait qu'il soit plus par ici, là. Clac, clac. Sachant que si je fais une zone au-dessus, il y aura sûrement un autre truc des soigneurs en haut. Et je sais même pas encore quelle zone je ferai là-haut. Donc c'est tout à fait hypothétique. Et donc là, ce serait plutôt par là. Hein. Donc tout ça, c'est tous des bâtiments que j'ai récupérés. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'il va me falloir comme bâtiment des soigneurs? C'est dans les services. Du personnel, il me faut une cabane des soigneurs, ça c'est sûr. Il me faut une zone de quarantaine, c'est pas obligatoire, mais ce serait mieux. Un cabinet vétérinaire, c'est sûr. Une salle du personnel, sûrement plusieurs, même salle du personnel. Sachant que je crois qu'il y en a des grandes, celles-ci, qui peuvent accueillir plus de monde, mais là je crois pas que je pourrais en caler. On verra ça. Un centre de recherche, non. Atelier, oui. Centre d'échange, pas obligatoire non plus.
Et bien sûr, un truc électrique et un truc d'eau. Alors, déjà. Déjà. Ça fait deux par. Ah, peut-être. Peut-être que là-dedans, je pourrais mettre ma grosse salle du personnel. Alors, est-ce que déjà, il y a des trucs dans ces bâtiments? Oui. Ça, qu'est-ce que c'est? Il y a une porte. Ici, ils ont mis une porte. Ok, si j'enlève la porte, qu'est-ce que c'est que ça? Un centre de recherche. Donc, typiquement, j'en ai pas besoin de centre de recherche. C'est quoi ça? Ah oui. Est-ce que je laisse la porte là ou est-ce que je l'enlève? J'aimerais bien la voir quand même. J'aimerais bien voir ce qu'il y a à l'intérieur là. Centre de recherche, pas besoin. On dégage. Ça, qu'est-ce que c'est? Un atelier. Atelier, on mettra ailleurs. Donc, déjà ça. Attendez, imaginons, on va avoir un truc là. Là, je pourrais mettre un autre bâtiment par ici. Avec quelques plantes. Là, on saurait. Ça, on pourrait avoir l'espèce de petit marché. Il pourrait être là au milieu, là. Là, on aurait notre accès. Est-ce que j'ai besoin de faire d'autres trucs d'animaux là? Je sais plus, je crois qu'il me restait pas mal d'animaux d'Afrique à poser, hein. Sachant que là j'ai un enclos, là j'ai encore un enclos aussi. Là je vais avoir mes crocodiles. Il y a les fennecs, on pourrait les mettre par là, les fennecs. Peut-être qu'on pourrait avoir un enclos ici, là, et un autre en dessous. On serait juste à côté, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Alors, du coup, on pourrait imaginer que ces toilettes-là. Comment on déplace déjà? Non, quitter. Faut que je fasse comme ça. Voilà. Peut-être que les toilettes pourraient être par là. Non, c'est pas X. C'est ça. Comment on fait? Non, c'est ça, c'est mage. Ok. Ces toilettes pourraient être par là. Touk. Voilà. Comme ça, sachant que le chemin. Ouais, peut-être même un peu plus par là-bas plutôt. Ok, on va. On aplatira après. On va essayer de positionner rapidement tous les bâtiments là. Ça va être quoi ça? Aucune idée, ça pourrait être une boutique. Ça pourrait tout à fait être une boutique. Un petit restaurant, un truc comme ça. Ah, la tour me gêne. Ça pourrait être comme ça, là. Deux petites boutiques. Ah, il va falloir qu'on aligne tout ça me plaît pas. Ça, on va le mettre comme ça. Et ça. Comme ça. Voilà. Là, on fera deux trous pour mettre des boutiques. Ok. Là, on va avoir notre place du marché. Par là au milieu, là. C'est pas mal ça, comme ça, non? Qu'est-ce que vous en dites? Faut que ça pile poil en dessous. Comme ça. Voilà, celui-ci. Celui-ci, je l'aurais bien mis plutôt par là. Ça passe pas avec le truc. Ça passe pas avec le téléphérique. Ah oui, parce qu'il descend là, le téléphérique. Zut. Eh bah, sinon, on va prendre une petite maison là. Petite comme ça là. Ça devrait passer là. Ouais. Très bien, donc là on pourrait être comme ça. Là on pourrait être quelque chose comme ça. Pouf, là on aurait notre chemin qui descend en dessous après. Paf, je positionne vraiment juste à l'arrache pour le moment. Hein. Je n'ai pas de vraie hauteur ou quoi que ce soit. C'est juste histoire de voir ce qu'on peut faire.
Tac, ça pourrait être par là, comme ça. Voilà, ça ferait déjà un petit village sympa. Et puis là, on aurait un petit enclos par là. Là, c'est quoi ça? C'est des grandes toilettes. Des grandes toilettes. Donc, sachant que si je mets un enclos là, par ici. Faut que je fasse cette zone quand même d'abord. Ok. Donc, il faudra que les trucs d'électricité et d'eau soient le plus loin possible. Ça, je sais pas si je vais en avoir besoin, le truc de température de l'eau. Je sais pas. Pour le moment, j'en ai pas mis, je crois. Je sais plus, peut-être. Je sais que j'en aurais besoin pour les animaux de l'Arctique, mais pour le moment. Peut-être que là ça va être trop froid, l'eau, il faudra peut-être un régulateur pour ce truc-là. D'ailleurs, du coup, là, l'eau, comment ça tombe? Est-ce que ça touche là? Oui. Celui-là va me suffire, du coup. Donc là, j'aurais presque même pas besoin de truc d'eau. On le décalera peut-être par ici, au maximum. On verra. Là, toute cette eau, on s'en fout. Là, il va me falloir un truc par contre ici, pour gérer l'eau là. Ouais. Parce que ces trois bassins, il y a des animaux dedans. Là-bas, on s'en fout, il n'y aura pas d'animaux dedans. Électricité. Il n'y en a qu'un là-dedans. De toute façon, c'est ce qu'il va falloir faire. Ah non, il va falloir en mettre un par là. Oh punaise. Faut que j'en mette un dans la pyramide d'électricité. Je ne vais pas avoir le choix. Ah, par contre, ça va être pénible parce que l'attrait négatif sur les visiteurs là. D'un truc électrique, c'est quand même assez gros. Ça fait quand même un sacré cercle. Du coup, à l'intérieur là, faudra que je le mette peut-être. On va enlever ça. Faudra que je le mette par là-bas au fond, là, peut-être. Si je le fous là-bas au fond, ça ira peut-être. Ou là-bas. On verra. On verra. A priori, j'ai peut-être même pas besoin d'électricité là-bas dedans. Ouais, c'est possible que j'ai pas besoin d'électricité, de trucs d'électricité ni de trucs d'eau. On va y garder de côté quand même. Parce que là-bas, l'eau, c'est bon, du coup. Si je fais des trucs là-bas, je verrai à ce moment-là, peut-être, non. On gardera les bâtiments de côté. Ouais, on va faire ça. Donc là-bas, j'ai un petit bâtiment comme ça que je vais mettre, disons, par ici. Par ici, ouais. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Faut que vraiment que je fasse des. Faut que j'arrange ça. Le sol, c'est dégoûtant. Alors, terrain. Déjà, on va mettre assez large. Ouais, 8, c'est pas mal. On va essayer de faire des aplats, des endroits, genre par ici. Voilà. Là, on va essayer de faire plat ici aussi. Voilà, comme ça, très bien. Ok, là, on va essayer de lisser tout ça. Ah oui, là j'avais une. Ah oui, c'était pas beau ça. Peut-être on va plutôt mettre un plat comme ça là. Ok. On va lisser ça. Ça me dérange pas trop que ça fasse des petits trucs comme ça là. C'est pas trop vilain.
faut juste y glisser légèrement. C'est vrai que ça fait un peu dégueu, mais en y glissant tout petit peu comme ça, c'est pas mal. Là, faut que je fasse un truc. Voilà. C'est pas mal tout ça. C'est pas mal du tout. Ok, alors. Alors. Ah, j'ai une petite coupure, désolé. Bon, vous en rendrez pas compte, mais moi ça a coupé pendant un petit moment. Qu'est-ce que j'étais en train de faire du coup? Oui, j'étais en train de poser ça. Du coup, ce bâtiment-là. Ah merde, ça prend pas tout. Ah, c'est pas dans le bâtiment ça? Putain, c'est pas possible. J'avais même pas vu. Est-ce que je peux tout grouper? Oui. Voilà, ok, très bien. Donc. Là, faut que ce soit à peu près cohérent aussi quand même. Là, je pourrais mettre ça plutôt comme ça. Ah oui, on a une pente là quand même, hop. Si je mets ça comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Si je mets ça comme ça. Ça fait un peu bizarre au niveau des fenêtres. Ça fait bizarre au niveau de la porte là. Ça c'est pas grave, la porte on enlèvera au pire. Donc là on aura notre chemin qui va nous mener à ça, donc ça faudrait que ce soit plus décalé par là. Voilà. Faudra que je remonte un peu le sol par ici, je pense. Là il y a ces chemins qui m'embêtent aussi. C'est bon, il n'y a plus de chemin nulle part là. Je crois que là mes chemins ils me gênent pour faire des. Pour aplatir les trucs. Si là je vais me mettre à peu près par là moi. Voilà. Non, il y a encore un truc qui me gêne. Peut-être que les bâtiments qui sont dedans me gênent. Pour faire le terrain. Bon, c'est pas grave. On verra après. Donc là, a priori, on aura le chemin qui permet d'accéder ici. Ok. Donc là, on aura un premier truc. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Alors, service. On a dit... Zone de quarantaine, oui. Cabinet vétérinaire. Putain, mais c'est tous des gros bâtiments, hein. Ils font tous deux par deux. Et là-dedans, je pourrais pas le mettre. Sinon, je vais y agrandir ce truc-là. Là. Je vais y agrandir. Cabane de soigneur, il va m'en falloir une plus grande. Hein. Vu la zone. Vous savez quoi, on va modifier ce bâtiment là. À moins qu'il y ait d'autres trucs. Zone de quarantaine, je prends que la petite, j'ai pas besoin de grande. Truc du personnel, je prendrai la grande salle du personnel que je mettrai dans ce truc là, je crois. Centre de recherche, j'ai pas besoin. Atelier, ça prend que un. Centre d'échange, ça prend que un. Ça pourra aller dans ces trucs là. Là, ça fait quoi? Ça fait 3 par 3. 3 par 2. Ouais, donc il faut que j'agrandisse celui-ci. On va agrandir celui-ci. Allez, c'est parti. Allez, on édite tout ça. Donc là, on va déjà, première chose, déplacer ça. Hop, ici. Ça, on va le déplacer ici aussi. Ensuite, on va prendre tout ça. Sans ça. Sans ça, non, je prends trop de choses là, c'est pénible. Ça, alors attendez, ça, non, ça, plus la plante qui est là. La plante, non. Je vais pas arriver à prendre la plante, tous les coups, voilà, super, fantastique. Là, ça, plus ce truc, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça.
plus tout ça, plus ça. Ok, ça en fait x et on le ramène devant. Voilà, comme ça. Clac, on va faire pareil avec ça. Hop là. Voilà. Parfait. Ensuite, ça, on fait contrôle D. Là. Là-bas. Hop. Pareil, ça, du coup. Contrôle X. Par ici. Voilà, très bien. Ça, contrôle X. Par ici. Très bien. Pouf, pouf. Ça. Est-ce que je peux faire X? Non. On y déplace devant ici. Voilà. Ça. Hop. Est-ce qu'on mettrait pas la terrasse en... Comme ça. Est-ce que je fais une espèce de terrasse à laquelle on n'a absolument pas accès d'ailleurs, hein? Il y a une table et tout, mais on n'y a pas accès. Je crois que je vais faire ça. Ça, je vais y mettre là. On va faire une terrasse comme ça. Hop, voilà. Ou alors je fais un petit escalier là qui monte. Ça pourrait être sympa aussi. Petit escalier là. Le long là. Ah. C'est quoi ça? C'était derrière. Ok, je sais pas ce que c'est ça. Un panneau vitré lumineux. Ah, c'est pour faire de la lumière. D'accord. Donc là, en fait, il faut que je prenne ça aussi. Pouf. Hop. Voilà. Ok. Fantastique. J'ai pas pris de poils là, mais bon. Voilà. Hop. Tac, très bien. Donc ça c'est quoi? Ça c'est du mur en plâtre. Mur en plâtre et la couleur c'est un peu couleur plâtre. Alors si je vais dans les constructions que je cherche plâtre. Plâtre. Est-ce que j'ai des escaliers ou des trucs comme ça? Ah non du tout. J'ai cru que c'était des escaliers, mais point du tout. Des monolithes. Donc. Il n'y a pas d'escalier. Il n'y a pas d'escalier étouffé. Escalier, non, il n'y a pas d'escalier. N'y a pas des escaliers tout faits. Ah, mais je suis bête, les escaliers, c'est avec des chemins qu'on les fait. Est-ce qu'on ferait pas un chemin, ouais. Alors, du coup, c'était bien des trucs en plâtre. Il faut que je prenne ça. Ça me paraît raide, ça, non? Remarque. Ok, on va poser le truc d'abord. Alors, si je prends une allée que je fais aligner sur la grille, que je me mets là. Ok.
Là, je me mets ici. Là, je fais. C'est pas ça. Comment on fait? Allô? En m'alignant sur la grille, je ne peux pas. Ok. D'accord, faut que je me mette ici. Oh putain, mais c'est pas possible. Le jeu a décidé de m'embêter. Voilà. Voilà. Et maintenant, je désectionne la grille, je me mets là, je fais comme ça. Sauf qu'il me faut du 4 mètres. Il me semblait que ça faisait raide là. Donc un escalier ne peut pas être sur si peu. Ok, bah pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra après comment on fait là. J'ai un peu ma petite idée, mais on verra après. Alors. Allez, là, j'aimerais bien être assez droit quand même. Ouais, quelque chose comme ça. Pouf. Pouf. Voilà. Donc là, on est bon. Donc là, maintenant, je duplique ça. Là, voilà. Ça fait une sacrée marche. Si ça je fais. Non. Ça je le déplace. Oh. Zut. Zut et flûte. Pas grave, tant pis. Ça ira bien. Sinon, ça va me brouter. Oh là là, c'est pas aligné en plus. Si. Faudrait au moins comme ça en fait. Ça ira bien. Celui-là et celui-là, on va les enlever. Hop. Paf. Paf. Très bien. Boum. Ok. Parfait. Nickel. Là, on a notre petit accès en haut. On a un truc sympa. On mettra des décos après. On verra ce qu'on trouve. Ok. Là, on a notre petit truc. Ça, je vais faire CTRL D. Je vais le dupliquer par là. Allô? Oui, par ici. Voilà. Très bien. Nickel. On mettra des petites pierres, machin, peut-être un petit chemin, on verra, pourquoi pas. Non, en fait, non. Non, sinon ça n'ira pas. Voilà, on mettra juste des petites pierres, et puis ça sera un petit accès par là avec un petit chemin. Voilà. Ça me convient bien. Là, je vais juste dupliquer ça. Allez, avec ça, CTRL X. Ah là là. Oh non, putain, c'est chiant. C'est chiant.
Pourquoi les contrôles X se font très mal? Contrôle X. Voilà. Remarque qu'il n'y en a pas là non plus. Donc en fait, on va laisser comme ça. Et là, on va peut-être mettre une fenêtre. Attendez, là j'ai un 4x4, non? Ah non, et non. J'ai un 2x2. Ok, donc là, je peux mettre du coup maintenant un service qui fait 2x2, genre cabane des soigneurs. Voilà, une cabane des soigneurs. On va enlever ça, c'est tout. Là, on va enlever ça. Et à la place, on va mettre une fenêtre. Fenêtre. Voilà, comme ça, très bien. Ça c'est dégueulasse du coup. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Surtout que là je suis censé avoir des fenêtres aussi. Et on n'a rien. Je peux enlever ça. C'est quoi ce mur? Ah non, c'est pas beau. Ah c'est mieux comme ça. Ok. Sinon là je mets rien. Une petite fenêtre. Bon allez comme ça le fait, on s'en fiche. C'est très bien. Ok, donc là on a amélioré notre bâtiment. On l'a agrandi un petit peu. Donc on a dit, on vient de mettre une cabane des soigneurs. Une grande cabane des soigneurs. Maintenant il nous faudrait une petite zone de quarantaine. Putain, la petite zone de quarantaine ça fait 2x2 aussi. Ça fait 2x2 aussi. Si on y met là-dedans, mais bon, bof. On va quitter déjà. Est-ce que ça embarque tout ça? Non, ça m'embarque pas le truc avec, putain. Hop. Ok, donc ça c'est un truc de température de l'eau. C'est vrai que ce soit avec ces deux trucs là. Qu'ils soient là en face de l'autre peut-être, comme ça, ou un truc comme ça. C'est pas mal aligné comme ça. En même temps, est-ce que j'ai vraiment besoin de trucs comme ça? Oui. Oui. Comment je vais y habiller là? Non, c'est pas ça que je voulais faire, encore une fois. Je voulais récupérer celui-là. Le dégager. Oh là! Mais pourquoi ça bat au prix? I. Ok. On va le mettre par là. En attendant. Ok, donc là ce que je pourrais faire c'est prendre tout ça et faire hop, une bonne rotation comme ça et mettre par là en face. Au même niveau à peu près, comme ça. Là, ça je peux y mettre par là. Il y aura une allée au milieu, machin. On aplatira le sol après. Ça. Ok, ça peut venir ici. Est-ce qu'il y a une entrée de ce bâtiment? Oui, il y a une entrée par là.
Je suis pas du tout sûr que la vraie entrée soit ici. Alors, service. Donc là-dedans, je suppose qu'il y a quelque chose aussi. Mais. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une salle du personnel. Donc c'est ça, je m'en aurai besoin. C'est ça. Non, c'est ça, salle du personnel. C'est une grande salle du personnel. Donc ça, c'est très bien. J'en avais effectivement besoin d'une. Et si j'enlève ça là, pourquoi ils ont fait des trucs comme ça? Ok, d'accord, j'ai rien dit. Ok, c'est très bien. Elle donne là les salles du personnel. Les vitres. Ouais, bah écoutez, ça ira bien. Alors, quitter ça. On va le mettre bah, dans ce sens-là, vu que l'entrée elle est ici. Et on va essayer de le mettre un petit poil plus haut, là, genre comme ça. Hop, voilà. Terrain. Ce serait bien d'arriver à. Oh putain, c'est chiant ça. Ça, c'est chiant qu'on puisse pas. Non. X. Ok, terrain. Hop, terrain, on va se mettre à peu près par là. Voilà, comme ça. Ok, comme ça on va avoir une petite pente là. Alors là, je vais juste faire tac, X. Boum. On peut faire comme ça. Oh. Ok, du tout. C'est pas bon du tout. C'est pas grave. Hop, comme ça. C'est où là le bas? Là, je dois être trop bas déjà même. Peut-être. Ah, cette herbe longue. Ok, comme ça. Là, je suis bon. Ok. Donc là, maintenant, je vais lisser. Et ça va pas aller, évidemment. Là, ça va être trop compliqué. Bon, je ferai des escaliers, tant pis. Je ferai des escaliers. Et les PMR, hein? Qu'est-ce qu'on en fait des PMR? Voilà, regardez les PMR, on va les dégager. Pourquoi ça marche pas? Terrain inadapté pour le relief des allées, mais j'ai pas d'allées. Pour relier les allées, mais je m'en fous. Terrain. Allez, lisse-moi ça. Je peux pas lisser ça, moi. Planir jusqu'à la surface. Non. Je vais plutôt raboter là. Creuser, je peux pas creuser là. Nope. Nope, 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 nope. Allez, on lisse, on lisse, on lisse, on lisse. Non, ça va pas lisser plus que ça. Comme ça. Pentu, hein. Ça c'est pas trop mal ça. Faut un peu lisser tout ça maintenant. J'arriverai jamais à faire un chemin ici. Ça va être tout dégueulasse. Là celui-là je vais le décaler je pense. Celui-là on va le décaler un peu par là. L'escalier putain. L'escalier, bordel! Maintenant qu'il est construit. Ça, c'est la plaie, par contre. Hein. Je vous avouerai que c'est vraiment la plaie, ça. Hop, par là. Voilà. Ok. Comme ça, ici, on va lisser. On lisse au maximum pour pouvoir mettre un petit chemin par là.
Alors du coup c'est pareil, tiens. J'ai oublié un bout de bâtiment. Sûrement de celui-ci. Ouais, sûrement de celui-là, mais alors où? Je ne sais pas. Alors, on s'en fout du coup. Tout ça, on va dégager. Tant pis. Tant pis, tant pis. Là, on va prendre les 4 qui sont là. On va essayer de les décaler un peu par là. Voilà, très bien. On verra après pour faire les allées. On va prendre celui-ci qui a rien dedans. Si, il y avait quelque chose dedans. Une seule de vente, mais on s'en bat les noix. Celle-là, on va la mettre comme ça, peut-être. Comme ça, ici. Voilà. Ok, ce bâtiment-là, on va le prendre et on va le mettre là. Là, ça me plaît bien. Là, là moi, ça va bien me plaire, là. Chose comme ça. Voilà. Ouais, c'est cool là comme ça. Là comme ça, c'est assez cool. On mettra des plantes, des rochers un peu par là derrière. Oh putain! J'avais pas vu. Ça fait 40 minutes de vidéo. J'avais celui-là aussi qui avait un peu tout dedans. Qui était assez sympa, mais qu'au final je me servirais peut-être pour mettre ailleurs. Pour mettre des boutiques, des trucs comme ça. Lui c'est pareil, il est bien joli. Je pense que je vais récupérer des trucs de celui-là, là. Ça par exemple. Contrôle D, quitter. Pour aller mettre dans celui-là. Voilà. Et mettre quelque chose comme ça. Voilà, ça habillera un peu. Est-ce qu'on n'a pas des trucs là, qui pourraient nous donner des idées? Bon bah voilà, il prend forme mon petit village là. C'est sympa et stylé. Il faudra qu'on fasse une zone un peu pique-nique aussi. Pour que les gens ils puissent se poser. Bah peut-être par là, là où il y aura la zone de machin. Ça c'est les toilettes, on verra plus tard, on les mettra ailleurs. Quitter. Ouais. Donc là j'ai encore ce bâtiment qui pourrait me servir. Et celui-ci. Qui sont assez jolis, hein, il faut le dire. Celui-là ça pourrait être des boutiques et puis un toilette là. Ah non, le toilette il y a deux portes. Ouais. Ouais, peut-être une boutique, hein. Ça pourrait être trois boutiques, ça. Hein. Ça peut aisément se transformer en trois boutiques. Enfin bref. Donc ça, on a dit que j'en ai plus besoin. Ah zut, il y avait des fenêtres. La porte, je m'en fous. Ah, c'est tout ensemble. Ok. Alors ça, c'était sûrement avec ça, du coup. Ah oui, ça devait être là. Hop, sûrement comme ça. Voilà. On va enlever ça. Là, on va faire I. Hop, on sélectionne tout ça en groupe. Voilà. Ok. Et ben écoutez, la prochaine fois, on essaiera de terminer cette petite zone parce que là, ça va commencer à devenir important pour gérer tous les trucs d'Afrique du Nord. Enfin, tous les enclos qui vont être par là. Donc celui-ci, celui-ci, sûrement celui-là et celui-ci, ceux qu'on mettra par là. Et après, on essaiera peut-être de rajouter des nouveaux animaux par là, on verra. On verra, il me reste encore ici aussi à peupler. Ouais, on avance bien, je suis content. Ma zone ici, elle commence à prendre bien forme.
Ok, donc parfait. Donc moi sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de notre Let's Play. Allez, salut à tous, ciao!